Salam alaikum à toutes et à tous. Donc j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec le Cheikh Mahmoud Kouba, qui est membre du Haut Conseil Islamique du Mali, membre de la Ligue des Prédicateurs du Mali, membre de la Ligue des Uridis et des Ulama du Mali, et c'est aussi l'imam de la grande mosquée Abou Bakr al-Siddiq, donc Abiyah au Mali, et professeur islamologue et en fiqh à l'Institut Islamique. Donc nous allons voir avec lui ses impressions autour du Bourget, la situation des musulmans du Mali, et ainsi qu'une présentation de lui-même. Ouais. Salam alaikum, cher professeur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alhamdulillah, Dieu merci, alhamdulillah. Je suis très content de vous. Alhamdulillah, Dieu merci. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus sur votre parcours? C'est toujours un plaisir d'avoir des gens qui viennent d'aussi loin dans le monde à cette rencontre annuelle en France. Non problème, il n'y a pas de problème. Je m'appelle Cheikh Mahmoud Kouma, né à Bamako en 1963. Depuis mon étude en école coranique à Misra de Bamako, et après j'ai rentré au Madrasa El Hilal, et après ça j'ai parti à mon village, village de mon grand-père qui s'appelle Touba. J'ai fait beaucoup d'études là-bas, et après j'ai parti en Arabie Saoudite pour aller à l'université islamique en Médine. J'ai duré aussi pendant 10 ans. Après ça, je viens au Bamako, j'ai commencé le travail islamologue, imam, professeur arabe, professeur islamique et prêcheur. La femme. Inch'Allah. D'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez appris le Coran et l'arabe au Mali, avant d'aller en Arabie Saoudite. Donc, vous avez déjà une bonne base religieuse avant d'arriver. Alhamdulillah, Dieu merci. Je prends le Coran et beaucoup d'études au Mali avant de partir en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Mali, il y a des professeurs de religion musulmane, des professeurs d'arabe, voilà. Il y a des bases religieuses solides pour les jeunes maliens qui veulent apprendre la religion. Alhamdulillah, Dieu merci, c'est bon, c'est comme ça, absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, d'ailleurs, au Mali, on en parlait tout à l'heure, on disait qu'il y avait des véritables programmes d'enseignement du Coran. Okay. Beaucoup de programmes d'enseignement du Coran. On a fait beaucoup de. Beaucoup de centres coraniques au Mali, hein. Plus de 40 centres coraniques au Mali pour les musulmans, alhamdulillah, Dieu merci. Alors on me disait, à peu près combien d'années il y a de Huffaz qui sortent, de gens qui ont appris tout le Coran tous les ans? Trois ans. Trois ans. Et tous les ans, il y a combien de personnes qui ont appris le Coran à peu près? Au Mali? Oui. Plus de 100 personnes. Inch'Allah. Donc en 10 ans, déjà 1000 personnes. Non, ça, voilà, alhamdoulilah. Plus de 100 personnes en tous les années. Inch'Allah, très bien. Au Mali? Au Touba, et Bamako, et Sigasso, et Ségou, tout. Mm-hmm. Beaucoup de centres coraniques. C'est très bien. Pour mémorisation du Coran. Les musulmans du Mali sont plutôt de rythme malikite, je pense. Les musulmans du Mali, 95% à peu près. De rythme malikite. Ouais. Donc ils sont très proches des musulmans du Maghreb, qu'on connaît un peu plus, nous, ici, en tant que... Oui, parce que notre enfant qui fait son étude à Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, non. Beaucoup d'enfants. D'ailleurs, donc vous êtes ici en France, vous êtes déjà venu avant la rencontre des musulmans de France. Ouais. Vos impressions sur cette rencontre? Ah oui. Beaucoup, très impressionnant. D'accord. Alhamdulillah. Je suis très content de vous. Très content pour Ittihad, alhamdulillah. Inch'Allah. Votre Ittihad, c'est très bien. Alhamdulillah. Inch'Allah. Alhamdulillah. Ça, c'est un bon chose. Mm-hmm. Un grand travail. Et quel conseil pouvez-vous nous donner aujourd'hui? Parce que moi, je donnais deux types de conseils. Des conseils pour améliorer l'action générale et des conseils pour avoir peut-être plus de personnes d'origine malienne ou d'origine noire africaine, qui malheureusement ne sont peut-être pas encore assez présentes dans les organisations comme l'UIF. Donc quel conseil pouvez-vous nous donner pour justement nous élargir et Mon premier conseil à UIF, j'ai dit que tolérance. Tolérance. Wasatiya al-musamaha. C'est pourquoi que ça, c'est les paroles là. Notre prophète qui dit ça et les bons dieux qui dit en Coran qui te fait extrémiste ou tu vas être très dur, non, tu n'es pas réussi dans la vie. Il faut faire tolérance, il faut faire un peu l'youna wa mourouna, alhamdulillah. Non, ouais, dans ces deuxième chose, j'ai dit qu'à UF beaucoup de coalitions Al-Wahda, beaucoup d'unité. Il faut solide de ça. C'est solide de ça. Rassemblement,
pour on va faire une bonne chose pour les nations françaises, pour les pays français, pour les pays européens. Alhamdulillah. Donc oui, je retiens bien. On dit des nours, les lumières pour les populations européennes. Pour les vivre à la paix. Alhamdulillah. Inch'Allah. Je comprends très bien et merci beaucoup pour cette conclusion magnifique. Je veux vraiment que l'OIF, en tant que musulmans de France, en tant qu'association qui veut représenter les musulmans de France, et n'est pas juste les musulmans en tête, mais également l'ensemble de la société française et soit bien pour l'humanité, comme dit le prophète. Voilà, merci beaucoup, Cheikh Mahmoud Kouba. C'est un plaisir de l'avoir parmi nous. Merci beaucoup. De vous revoir. Je suis très content de votre télévision à YouTube. Je suis très content de donner mon salutation à tous mes frères européens, tous mes frères musulmans, alhamdulillah, alhamdulillah, merci. J'ai dit que merci à vous tous. Barakallah fik, merci encore une fois. Merci beaucoup. Choukran.